Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude, je vais présenter 5 actualités sur le FC Barcelone. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. On tente les 25 000 abonnés avant août. Les amis, il nous reste que 3 semaines. Donc je vous fais confiance, voire même 2 semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Les amis, il reste que 600 abonnés. Donc abonnez-vous, c'est gratuit et ça prend que 2 secondes. Et juste aussi, petite dernière petite chose avant de commencer officiellement la vidéo. N'oubliez pas, la vidéo sponsorisée par Imitsuit, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifique maillot retro qu'on peut le voir sur votre écran. Les maillots sont vraiment magnifiques, ils sont vraiment pas chers et en plus d'être pas chers, les amis, vous avez un très bon plan parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise automatiquement. Donc si vous voulez le nouveau maillot du Barça qui est disponible dans le site, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En plus les amis, les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines, donc c'est vraiment assez rapide et vous les recevez vraiment partout dans le monde. Donc même si tu habites très très loin, tu auras toujours ton maillot. Donc si tu es intéressé, je te mets le lien dans la description. On va parler d'un joueur qui fait bonne impression selon plusieurs tweets, les amis. C'est un joueur qui vient juste de rejoindre d'ailleurs le club. C'est un jeune défenseur central. Alors, je parle pas d'Inigo Martinez, mais je parle bel et bien de ce joueur. Regardez sur votre écran. Mikhail Fay a fait bonne impression après les premiers entraînements sous les ordres de Xavi. Le jeune central sénégalais a montré beaucoup de choses de force physique et de puissance. Il doit encore travailler certains aspects techniques, tactiques, mais les premières impressions sont bonnes, les amis. Donc oui, ce jeune joueur qu'on a recruté peu avant simplement l'officialisation de Gundogan. Alors je pensais tout simplement que ça allait être un joueur pour l'équipe B, mais il pourrait tout simplement, voilà, s'il continue à bien travailler comme le dit ce tweet, il pourrait tout simplement avoir quelques petites minutes lors de la pré-saison avec le FC Barcelone, voire même pourquoi pas, s'il est assez bon, avoir des minutes cette saison en Liga. Donc c'est quand même assez cool, les amis. En plus, en défense, franchement, on est plutôt pas mal. Après, les amis, avec lui qui se rajoute dans le groupe et tout, je pense qu'on peut être beaucoup trop. Donc va falloir voir si on peut vendre Eric Garcia et tout, parce que si on a ce jeune joueur, on a Inigo Martinez, Christensen, Araujo, après on a Eric Garcia, ensuite après on peut avoir comment il s'appelle, Clément Lenglet qui est toujours pas parti et tout. Je vous dis, ça fait un petit peu beaucoup. Les amis, alors juste avant d'enchaîner sur la deuxième info, je tenais à dire que les lives sur les carrières manager, FIFA et tout se passera plus sur YouTube, mais sur Kick, les amis, oui, la nouvelle plateforme de live. Donc du coup, je me suis mis sur Kick, regardez tout simplement le compte, voilà. Donc du coup, je vais tout simplement vous mettre dans le like, commentaire et même dans la description le lien pour tout simplement rejoindre Kick. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, parce que j'ai prévu un live de fou furieux dès demain, donc je vous attends, n'hésitez pas à vous abonner à mon Kick. Pour la deuxième info, les amis, on va parler d'un certain joueur. On fait que l'entendre partout, sauf au FC Barcelone. Et c'est un joueur qui est pour moi assez important au club. J'aimerais moi, perso, qu'il reste. Après, c'est mon avis. D'ailleurs, je vais essayer de voir si je peux vous faire tout simplement un petit sondage, amis, dans l'espace communauté. Parce que, en vrai, je sais pas trop votre avis. Mais moi, perso, je veux qu'il reste. Et on va parler de Franck Kessié. Regardez sur votre écran. La Juventus veut débuter les discussions pour Kessié sur un prêt avec option d'achat. Donc, les amis, voilà. Franck Kessié va peut-être partir. En plus, le Barça, pour ceux qui ne savent pas, il prévoit entre 6 et 8 départs, les amis. Donc, il pourrait simplement faire partie des joueurs qui vont potentiellement partir cet été. Moi, perso, je le répète, je pense que je l'ai beaucoup dit, vous l'avez beaucoup entendu, mais moi, je trouve que Franck Kessié a fait une belle deuxième partie de saison. Quand il est rentré, je trouvais quand même assez intéressant. Alors, oui, certes, il n'était pas non plus titulaire indiscutable, mais je trouve quand même que c'était pas non plus si dégueulasse que ça. Donc, moi, j'aurais aimé, perso, qu'il reste. Après, c'est pas officiel, je pense. Je pense que peut-être qu'il va rester, mais je sais pas, parce que en plus ces derniers temps, il y a quelques semaines, il y a eu l'agent de Franck Kessié qui était allé voir dans le centre d'entraînement du Barça pour un petit peu dans les bureaux du club pour discuter un petit peu de l'avenir de Franck Kessié. Donc je sais pas du tout, c'est un petit peu flou concernant ce sujet. Donc n'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires ce que vous en pensez concernant Franck Kessié. D'ailleurs, le joueur sur lequel on va parler actuellement,
Et va aussi, on entend beaucoup parler d'un départ. Après, moi, c'est pareil, j'aimerais bien qu'il reste, mais après, c'est pas moi qui décide. Malheureusement, on va parler d'un ailier. Alors, on parle pas de Ferran Torres, les amis, vous inquiétez pas, mais on va parler de Rafinha. Regardez ce qui se dit. Même si Rafinha a déclaré qu'il restait à Barcelone, aucune porte n'a été fermée, ni par le joueur, ni par le club. Al Hilal est fortement intéressé. Donc, du coup, les amis, ben, Rafinha en Arabie Saoudite, j'espère qu'en tout cas c'est un petit peu faux, parce que c'est pareil que pour Franck Kessié. Je trouve que la deuxième partie de Rafinha, ben, il était plus décisif et tout, je trouvais plutôt assez intéressant. Alors certes, c'est pas forcément le Rafinha de Leeds, mais je trouve quand même que c'était pas non plus si dégueulasse que ça. Il faut lui donner un petit peu de la confiance, il est arrivé la saison dernière, donc voilà, pour moi je pense que il faut le garder, il faut pas du tout le vendre. Après, voir si tout simplement le club d'Arabie Saoudite va tout simplement proposer beaucoup d'argent et que le Barça serait capable d'accepter l'offre. Mais moi, honnêtement, je pense que Rafinha, pour moi, il doit rester au FC Barcelone. Ça ne tient qu'à moi. N'hésitez pas à voir me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que vous êtes du même avis que moi. La nouvelle recrue star, bon, du moins qui a été vue hier à Barcelone et qui sera présentée demain, oui, je parle bel et bien d'Ilkay Gundogan, a parlé, il a fait des déclarations. Je vais tout simplement vous les montrer, mais ça fait vraiment plaisir. Voilà, je le répète encore, que Gundogan signe au FC Barcelone. Donc je vais arrêter de chercher à gratter du temps et du coup regarder ce qu'il a dit. Je viens apporter mon expérience et de la qualité au milieu, que ce soit offensivement ou défensivement. Je suis un joueur qui est capable de garder la balle et faire la passe. Cela est très important quand tu joues au Barça, donc ça va être, oui, très important, comme Gundogan le dit, ces fameuses passes. Donc du coup, ça va être plutôt quand même assez intéressant. Maintenant, à voir comment le Barça va structurer son milieu, sachant qu'on n'a toujours pas trouvé de remplaçant à Sergio Busquets. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, parce que je trouve que, que la situation a été très mal gérée par le club, parce qu'on va pas se mentir, ça fait quand même depuis plusieurs mois qu'on sait que Sergio Busquets va quitter le Barça, qu'il allait quitter le Barça. Et je trouve que voilà, ils s'en prennent que maintenant le Barça. Je trouve qu'ils s'en prennent un petit peu trop tard pour trouver un siège. Pour moi, je pense qu'il fallait y préparer ça depuis le début de l'annonce de Sergio Busquets. Donc je sais pas du tout qui va remplacer Sergio Busquets, je sais pas comment le milieu va ressembler, même si c'est vrai qu'avec Gundogan, Frenkie de Jong et Pedri, ça a quand même de la gueule, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'il nous manque vraiment réellement un numéro 6, donc peut-être Oriol, Romeu, on verra, mais en tout cas, elles font plaisir, cette déclaration de Ilkay Gundogan. Hier, je vous ai parlé de Bernardo Silva, j'ai essayé de voir si c'était possible ou pas. Alors déjà que hier, je vous ai enterré, mais alors là, concernant Bernardo Silva, je vais encore plus enterrer le sujet, parce que les gars, je vais pas vous mentir, c'est mort. Ne croyez pas que Bernardo Silva va signer au FC Barcelone, parce que bah, du coup, regarde sur ton écran, Manchester City, pardon, demande 80 millions d'euros pour Bernardo Silva. Donc autant vous dire, les amis, que Bernardo Silva ne viendra pas au FC Barcelone. Au moins ça c'est dit. Donc oui, 80 millions d'euros, c'est un petit peu, je crois, le prix que Manchester City avait demandé la saison dernière pour libérer Bernardo Silva. Donc vous savez, le Barça n'est pas en mesure de tout simplement avoir cet argent. Je pense que même s'il vendait 8 joueurs, ça risque d'être compliqué. Donc les amis, vraiment, autant vous dire que pour nous, le mercato du Barça, à part peut-être l'arrivée d'Oriol Romeu, ben, est terminé. Voilà, au moins c'est dit. Mais bon, en tout cas, ça aurait été bien d'avoir un petit Bernardo Silva. Mais voilà, faut pas trop rêver, les amis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, c'était quand même assez logique. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle t'aura plu. C'est le cas, qu'on a étudié le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement. Tente les 25 000 abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est un objectif qui me tient vraiment à cœur. Donc, je vous fais confiance. N'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci d'être de plus en plus nombreux. N'oubliez pas Emis Foot et même Kick, les amis. N'oubliez pas Kick dans la description. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.